Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. Exercice 10. Dans chacun des deux cas suivants, étudiez la continuité de la fonction h. Le premier cas, h est défini par h de x égale la racine carrée de h de x moins 1. Pour étudier la continuité de ce genre de fonction, on utilise la propriété suivante. Cf est une fonction continuée et positive sur un intervalle i, alors la fonction racine carrée de f est continuée sur l'intervalle i. On a la fonction définie par la valeur absolue de x est continuée sur r, c'est une fonction usuelle. Donc, la fonction définie par la valeur absolue de x moins 1 est continuée sur r en tant que somme de deux fonctions continuées. De plus, x en valeur absolue moins 1 supérieure ou égale à 0 équivaut à la valeur absolue de x supérieure ou égale à 1 équivaut à x supérieure ou égale à 1 où x est inférieur ou égal à moins 1. Alors, la valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 0 équivaut à x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini où x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Comme la fonction définie par la valeur absolue de x moins 1 est continuée et positive sur chacun des deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini, alors cela signifie que la fonction h définie par la racine carrée de la valeur absolue de x moins 1 est continuée sur chacun des deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Le deuxième cas, étudions la continuité de la fonction h définie par h de x égale sinus la racine carrée de x au carré plus 1. Pour cela, on va utiliser la composée de deux fonctions. On pose j de x égale sinus x et f de x égale la racine carrée de x carré plus 1. Alors, h de x, c'est gérant f de x. On a la fonction définie par x au carré plus 1 et continue sur R en tant que fonction polynôme. De plus, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, ces deux conditions signifient que la fonction f définie par la racine carrée de x carré plus 1 est continuée sur R. Ainsi, la fonction g définie par sinus x, c'est une fonction usuelle, elle est continuée sur R. Et l'image de R par la fonction g inclut dans R, car l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Donc, la fonction h définie par sinus racine carrée de x carré plus 1 est continuée sur R en tant que composée de deux fonctions. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.